Nous y sommes. Dernière étape de la grande aventure de la réalisation de la méga régie du futur pour faire des lives IRL et qui ne vous coûte que 0 euros. Dernière étape, c'est comment donner des informations GPS à notre minimap. Pour ça, il faut votre téléphone. Comment est-ce qu'on fait pour que notre téléphone envoie les informations GPS à notre Node-RED? Eh bien ça, nous allons devoir, ça c'est magnifique, nous allons installer Node-RED sur notre téléphone. Et là, vous pourrez me dire, Node-RED, ça tourne sur Linux, ça tourne sur Windows, ça tourne sur Mac. N'installez pas Node-RED sur Windows, par pitié. Ça ne tourne pas sur Android. Eh bien, en fait, grâce à une petite astuce très simple, vous allez pouvoir installer Node-RED, le vrai Node-RED véritable, sur votre Android, sans problème, et faire encore plus, pouvoir récupérer les valeurs de tous les capteurs de votre téléphone, de pouvoir lire des SMS, envoyer des SMS, faire des appels, allumer la caméra, prendre des photos. Vous pourrez vraiment faire contrôler votre téléphone totalement et l'automatiser grâce à Node-RED. Et l'automatisation qui va nous intéresser dans cette vidéo-ci, c'est la récupération du GPS. Mais une fois de plus, si vous lisez la doc, vous allez voir qu'on peut faire bien, bien plus que ça. Allons donc dans la doc. Et là, on a, regardez ça, Running on Android pour Node-RED. Le lien sera dans la description, bien entendu. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser Termux. Bon, bah, on va regarder dans le Play Store. Termux, qu'est-ce que c'est? Ok. Bon, on peut même le télécharger sur F-Droid. C'est même mieux de le télécharger sur F-Droid parce qu'en gros, c'est un store pour des applications open source. Et Termux est gratuit sur F-Droid. Donc, on va sur F-Droid et on va récupérer l'APK et l'installer. Mais a priori, ça fait quoi? Ça permet d'avoir un émulateur de terminal Linux sur Android. Donc, vous allez télécharger et installer Termux. Et vous avez également besoin de Termux. Termux-API. Termux API va nous permettre de récupérer toutes les informations de notre téléphone pour le piloter à distance, dont la récupération du GPS. Regardez. Hop là. Access Device GPS Location. Donc on installe Termux, Termux API. Termux, il va nous créer un terminal Linux, et vraiment, quand je vous dis un terminal Linux, voilà, il est totalement sur mon téléphone, là, actuellement. Voilà, là, j'ai mon téléphone. Désolé, je dois filmer mon téléphone, hein, c'est un petit peu pas la meilleure façon de le faire, mais bon. Là, j'ai un terminal Linux qui tourne sur mon téléphone Android via Termux. Et après, bah, si vous avez bien regardé les premières vidéos de comment est-ce qu'on fait pour installer Node-RED sur Linux, on a un terminal Linux, comment ça marche? Eh bien, le fameux apt update, apt upgrade, et après on installe coroutils, nano, node.js, et enfin on installe Node-RED et on peut lancer Node-RED. C'est tout. Là on a Node-RED qui tourne sur le téléphone. Je vais rechanger de terminal, Node-RED est déjà installé, et là regardez ça, il y a Node-RED qui tourne sur mon téléphone, ça c'est Node-RED qui est sur mon téléphone. Je connais l'adresse IP de mon smartphone, donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller dans mon navigateur, et ici j'ai ça, c'est Node-RED sur mon téléphone. Hein. La preuve, regardez, je vais vous prouver que c'est bien Node-RED sur mon téléphone. Ici, je vais fermer Node-RED et je vais faire ça comment? CTRL-T, Node-RED. C'est pas CTRL-T, CTRL-Z, CTRL-C. Excusez-moi. Là, je fais CTRL-C. Hop, hop. Node-RED est fermé. Et là, normalement, on devrait avoir un petit message d'erreur qui dit « Ah, bah, ça c'est bizarre, j'ai perdu la connexion avec Node-RED. » Et si jamais on refresh, on va essayer de refresh, on actualise la page. Ah bah, ça c'est bizarre, tiens. Ça ne marche pas. Je vais retourner sur mon téléphone et je vais taper dans mon terminal node-red. Enter. Ça remarche. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les informations du GPS. On a installé Termux, on a installé Termux API, on a installé Node-RED sur notre téléphone Android. Il nous reste une dernière petite étape, c'est d'aller dans la documentation de Termux API. Lien dans la description, bien entendu. Première chose à faire, c'est PKG install Termux API, c'est pour être sûr que le terminal puisse accéder aux informations de votre capteur. Donc il ne faut pas simplement installer l'application Termux API, il faut installer Termux API dans Termux normal. Donc vous tapez juste cette commande-là et ça fonctionne. Et après, regardez tout ce qu'on a. On a la batterie, la luminosité, récupérer les logs, faire la caméra, le clipboard, envoyer des informations en infrarouge si votre téléphone a un émetteur infrarouge, récupérer les informations de tous les capteurs, capteurs de luminosité, magnétomètre, gyroscope, accéléromètre, tout. Envoyer des SMS, lire les SMS, accéder au stockage, téléphoner, récupérer les informations de qui vous a téléphoné, allumer la lampe de poche, faire parler le téléphone. Tiens, on va essayer de faire parler le téléphone pour confirmer que c'est bien Node-RED qui tourne sur le téléphone. Oh, c'était TSPIC, pardon.
récupérer l'USB, le faire vibrer. Voilà, je pense que vous avez compris, on peut faire ce qu'on veut sur notre téléphone. Nous, ce qui va nous intéresser pour notre système IRL, c'est bien entendu le GPS. Ctrl F, GPS. Ah, location, location, location. Voilà. Comment ça se formate? Eh bien ici, Termux Location, Provider et Request. Et on voit que Provider, c'est est-ce qu'on veut utiliser le GPS? Est-ce qu'on veut utiliser le network ou la technique passive? Je ne sais pas comment ça marche ce truc-là. Mais en gros, est-ce que vous vraiment utilisez l'antenne GPS pour un truc précis ou alors juste les informations du réseau cellulaire si jamais votre GPS est éteint? Vous pouvez avoir vraiment les deux pour avoir le différent niveau de précision. Et là, vous pouvez lui demander quelle était la dernière position connue, ou lui demander une fois quelle est la position, ou alors lui dire « Renvoie-moi la position tous les X temps ». Justement, nous, ce qui va nous intéresser, c'est finalement de faire termux-location, espace, GPS, enfin, tiret P, espace, GPS, et faire une request d'avoir les updates. Comme ça, je dis, tu commences à recorder le GPS et tu m'envoies périodiquement la position. Et cette position, on l'enverra à notre minimap, et notre minimap passera notre position sur la carte. Comment est-ce qu'on formate cette commande-là? Donc là, en fait, on va d'abord, avant de jouer avec le GPS, on va jouer avec l'audio. Ce sera plus évident, plus visuel, enfin plutôt auditif, en votre cas. Comment est-ce que ça marche? C'est pas celui-là, c'est TTS Speak. Et là, il nous demande plein de choses. Termux TTS Speak, Engine, Language, Region, Variant, Page, blablabla, Text to Speak. Ok, en fait, juste un médecin, plus le texte. Ça paraît pas très clair, mais regardons ça. J'ai juste à faire quoi? Utiliser une node, ici, exec. La node exec, en fait, c'est l'équivalent de taper quelque chose dans votre terminal qui se trouve ici. C'est le même principe, c'est quand vous tapez ça, la commande que vous tapez là, c'est la même commande que vous pouvez taper là, sauf qu'ici, vous voulez faire manuellement, là, vous pouvez le faire de façon automatisée. Beaucoup plus pratique. On va avoir une exec pour le lancer quand même manuellement, même si ça, après, ça peut être trigger par n'importe quoi, ça peut être trigger par le chat, donc il n'y a aucun problème. On va zoomer ici, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va, du coup, copier la commande qui nous a été donnée dans la documentation. Voilà, la commande c'est ça, et quel sera le message? C'est bonjour, je suis un téléphone qui parle. Visage heureux. Et attendez, est-ce que ça serait vraiment si simple que ça? Est-ce qu'on peut facilement comme ça piloter son téléphone? Ça me paraît louche. Attendez, on va écouter, hein. Avec moi. Ah, il y a une erreur. Ok. Quelle est l'erreur? Voyons voir quelle est l'erreur. Peut-être qu'il n'aime pas le visage du smile. Qu'est-ce qu'il nous donne comme erreur? Il ne nous donne pas d'erreur. Attendez, on va débugger. Bah, en fait, je vais même le laisser dans la vidéo, comme ça vous voyez un peu le debug quand ça ne marche pas. On va brancher un debug ici, et on va voir ce qu'il nous raconte. Ok, je me demande si c'est pas le petit smiley qui lui pose problème. Donc on va enlever le smiley. Désolé. Dawn, deploy. Est-ce que là ça marche? Bonjour, je suis un téléphone qui parle. Ça marche. Pas besoin de guillemets, mais c'est juste que quand vous avez des caractères spéciaux, comme les apostrophes ou autres, il faut les échapper. Donc en fait, je pense que si je fais ça, deux points, backslash, ça, là il mettra le smiley content, mais je sais pas s'il va dire deux points parenthèse, donc on va voir ce qu'il donne. Peut-être qu'il mettra visage content. Eh ben, essayons. Donc là, bonjour, je suis un téléphone qui parle émoticône souriant. Émoticône souriant. Ça marche. C'est aussi simple que ça. On va dans la doc, il y a différentes informations. Si là je change les paramètres, imaginons que je veux changer le pitch. Le pitch, il va, c'est la vitesse d'ici, donc si par exemple je vais faire parler plus vite en plus aigu, bah regardez, la doc me le dit. Qu'est-ce que je fais ici? On retourne dans notre raid. Je vais essayer oui, le visage choqué comme ça. J'aimerais bien qu'il me dise visage choqué. Underscore. Je sais un téléphone qui parle. Et on pourrait lui rajouter un paramètre. Et ça sera tiret P et 1.5. Pour voir si on a une voix qui sera un petit peu plus aiguë. On va changer le pitch. C'est pas vraiment important. Mais au moins, vous voyez qu'on peut vraiment jouer avec les paramètres. Et que tout ce qui est dans la doc ici est valide dans notre raid. Alors, on va voir, il prend un peu de temps. Bonjour, je suis un téléphone qui parle émoticône étonné. Émoticône étonné. Vous voyez que la voix est un peu plus aiguë. Hein. Si jamais on veut vraiment rendre la voix insupportable, on peut juste faire ça, on la remplace par 3 et ça va être infernal. Hein. Croyez-moi, ça va devenir infernal. Bonjour, je suis un téléphone qui parle émoticône étonné. Bon.
Là, vous avez compris qu'on pouvait très, très, très facilement piloter notre téléphone à distance. Et là, c'est automatisé, hein, parce que là, j'injecte manuellement. Mais en fait, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'enlève le pitch parce que c'est un enfer. Je lui dis, ça, je peux le connecter à TMI. Et donc, quand on fait une commande dans le chat, en fait, le plus simple, regardez, je vais vous montrer un truc. Est-ce que je pourrais le connecter rapidement à TMI? On va essayer. Alors, un petit bonus. Là, je suis en live, donc j'ai mon chat qui est à côté de moi. Ça, il n'y a pas de problème. Ici, j'ai des commandes dans le chat et je pense que j'avais déjà prévu une commande gratuite. C'est. Et donc, si jamais je me connecte à mon broker MQTT en local, je fais slash IRL C, je pense que les commandes que vous tapez dans le chat, le téléphone sera capable de les dire. C'est, ouais, une fois de plus, pour vous montrer à quel point ce truc est vraiment paramétré comme vous voulez. Mais on va arriver au GPS, mais vu que le GPS, ça se fait en deux clics, perdons un peu de temps. Alors voilà, plaisir d'offrir, joie de recevoir, comme on dit. Donc, je vais faire parler mon téléphone, juste pour le fun, pour la démo. J'ai du MQTT qui est ici, c'est la node violette qui se trouve là. Je retourne là-dedans et on va rajouter du MQTT. Voilà, hop. Ensuite, j'ai déjà local qui était pré-paramétré, ça c'est très pratique. Là, c'est une MQTT out, il me faut une MQTT in. Si je fais ça, IRL slash C, donc c'est ce que m'envoie mon bot Twitch, qu'on a déjà setup dans une précédente vidéo. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va. En gros, récupérer le MSG payload qui sera ce qui sera envoyé par le MQTT. Donc, si je fais ça, normalement, que là, je vais dans mon chat Twitch et que je fais la commande point d'exclamation, c'est ceci est un test. Normalement, mon téléphone va me parler. Faut le temps que les informations arrivent. Il y a un problème. Il y a un problème parce que je vois bien que lui n'a pas été trigger. Chose importante, quand vous voulez abonner votre node MQTT à un topic MQTT, il est important de bien écrire les lettres. Voilà, bah non, là, c'était pas ILR, c'est IRL. Ça devrait beaucoup mieux marcher maintenant que j'ai tapé ça correctement. Réessayons. Donc là, je vais dans mon chat Twitch, je fais point d'exclamation, c'est ceci est un test. Ceci est un test. Salut. Et là, en plus. J'avais déjà pris setup ailleurs, mais là, il y a mon téléphone qui parle et mon ordinateur qui parle parce que je l'ai déjà fait en parallèle. C'est quand je fais de l'IRL, j'ai fait un système où je peux avoir une petite oreillette et récupérer le son quand les gens parlent dans le chat. En fait, il y a une synthèse vocale qui va me parler. Soit c'est mon téléphone qui parle directement, soit c'est mon navigateur Google qui parle directement. Et là, vous voyez que si Salut, j'augmente. t'étais le monde. Salut, t'étais le monde. Voilà, là, c'est pas moi qui l'ai tapé. Regardez, regardez. Allez-y dans le chat. Allez-y. Pas de dinguerie, s'il vous plaît. Tapez des trucs et on va voir que quand un pseudonyme apparaît ici. Le téléphone va parler. Et là, vu que nous sommes en direct et que les viewers sont vraiment pas des gens. Hello world. Ok, c'est bien beau de faire parler le téléphone, mais c'est pas ce qu'on voulait faire. Nous, on veut récupérer les coordonnées GPS. En vrai, en fait, les coordonnées GPS, c'est particulièrement simple, hein. On a un Termux Location, on l'a vu tout à l'heure. Termux-location-p pour provider-p.request. Et ça, en fait, malheureusement, je vais pas vous le montrer, pas pour le montrer en live. Et même en vidéo YouTube, parce que ça a donné mes vraies coordonnées GPS de mon téléphone, mais c'est littéralement en fait faire. Vu que maintenant on a le MQTT, hein, je vous rappelle, le lien est dans la description, apt install Mosquito, ça marche très facilement sur n'importe quelle machine Linux, et vous pouvez installer Mosquito sur votre téléphone évidemment, pour que les différents nodes RED puissent dialoguer entre eux. Je connecte ça, alors il faut connecter la première sortie, donc c'est la sortie qui va nous rendre le GPS. Ici, on va mettre quelle commande? Termux Location, comme ça. Ensuite, on va lui dire qu'est-ce que tu vas me donner d'autre. Ce qu'il me faudrait, ce serait le provider, c'est GPS, donc -p GPS. Voilà, GPS. Et le dernier paramètre, c'est quoi? C'est request, et là, ce sera update. Comme ça, c'est lui qui périodiquement me renvoie les informations. Voilà, c'est. J'ai pas tout lu. C'est -r, request, update. Et donc là, en pratique, vous devrez faire ça. Ici, ce sera par exemple local IRL slash minimap. Donc c'est-à-dire que là, quand vous cliquerez sur ça, votre téléphone qui sera connecté en VPN via votre VPN, OpenVPN par exemple, qui sera donc capable de parler à votre serveur principal et de parler à OBS et de parler à la minimap, vous aurez juste à faire ça. Envoyer au topic IRL slash minimap. Je déploie. Et quand je clique là-dessus, en fait, mon téléphone va envoyer périodiquement ses coordonnées GPS. On n'a plus donc qu'à retourner dans la partie qui gère la minimap. Et donc ici, avant, on devait injecter manuellement latitude, longitude. Bah, j'aurais juste à faire quoi?
je prends ma node MQTT. Tac, je me mets sur le même broker MQTT qu'ici. IRL slash minimap. Évidemment, je ne pourrais pas vous le montrer, hein, désolé. Je connecte ça à Trax. Je connecte ça à WorldMaps. Je connecte ça éventuellement à WorldMaps et à Trax du dashboard pour l'avoir en mini. Ça marchera. Ça marchera. Et donc, au lieu d'avoir l'exemple ici avec le petit bonhomme qui tourne en rond, eh bien, ça sera votre vraie position qui sera update en temps réel, sans le moindre souci. Dernière petite subtilité, pour éviter de leak votre adresse. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que le tracker vous suive quand vous voulez rentrer chez vous, quand vous partez de chez vous? Bah ça, il y a une petite subtilité. Ce que vous pouvez faire, c'est que vos coordonnées GPS, elles pourront arriver non-stop de cette petite node-ci. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple rajouter une node avec un switch, et un switch ici, et qui sera par exemple, on va le mettre dans Control Center Scène, comme si c'était une scène d'OBS, et lui il s'appellera Tracking. Et Tracking, soit vous activez le tracking, et le GPS commence à afficher votre position sur la carte, soit vous le désactivez, vrai ou faux. Ensuite, lui, je le mets là-dedans. Ensuite, je mets celui-ci ici. Et en fait, on pourra même le simuler avec le truc qui se trouve ici, finalement. Et là, ce qu'on va faire, et ça, je vous inviterai à regarder mes tutos Node-RED pour voir vraiment ce que sont les variables globales et variables de flow. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, vous pouvez faire copier-coller, ça marchera sans problème. L'idée ici, c'est quoi? C'est de faire que on enregistre dans une variable globale. Les variables globales, c'est ce qui nous a permis, dans la présente vidéo, de pouvoir récupérer le client ND, le client secret, tous ces trucs-là. Donc, c'est une variable qui est disponible partout. Ce que je veux faire, en fait, c'est activer et désactiver le tracking et que lui vérifie si le tracking est actif avant d'envoyer les informations GPS. L'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est que j'ai un bouton. Si je suis chez moi, je désactive le bouton. C'est-à-dire que là, ça n'envoiera pas les points sur la minimap. Je m'éloigne un petit peu de ma maison. Une fois que je suis assez loin, j'active le tracking, la map commence à être dessinée. Puis une fois que j'ai fini ma petite balade, je désactive le tracking et je rentre à la maison et personne ne pourra me swatter. Du moins, pas à cause de ça. Comment est-ce qu'on fait ça? Très simple. On va faire global.set tracking, par exemple, c'est le nom de la variable globale, msg.payload. Et en fait, c'est juste une ligne. Voilà, c'est tout. C'est une variable globale qui s'appelle tracking et qui va retenir vrai ou faux. Est-ce que le tracking est activé ou désactivé? On va donc aller sur notre interface graphique et on va voir que tracking ici est OK. Là, pour le moment, vous voyez que le bonhomme bouge toujours, donc on n'a pas encore fini. Là, le tracking est activé, on va le désactiver, mais le bonhomme bouge toujours parce qu'on ne lui a pas dit ce qu'il devait faire avec cette information. Retournons ici. Et là, on va simplement faire quoi? Là, toutes ces informations-là, il ne va les faire que si le tracking est activé. Donc, on a déjà notre fonction d'avant, qu'on avait vu dans une précédente vidéo. Ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est if global.get tracking est égal. Alors, tracking est égal à vrai. Alors, tu envoies. S'il n'est pas égal à vrai, tu n'envoies pas d'informations et normalement le bonhomme devrait arrêter de bouger. Théorie. Espérons-le. Donc je ne dise pas des bêtises. Voilà. Il faudra corriger l'indentation. Hein. Donc normalement il faut que je fasse ça, puis que je fasse ça. Et là voilà, c'est un petit peu plus propre. Là ça fait plaisir. C'est bien indenté. Donc si j'ai activé le mode tracking, les coordonnées GPS sortent. Et si jamais j'ai pas activé le tracking, il n'y a rien qui sort. Donc le point n'est pas mis à jour. Là, il est off pour le moment. Donc si on va dans le dashboard, normalement le petit bonhomme ne devrait plus bouger. Et là. Parfait, le petit bonhomme ne bouge plus. Donc ça, c'est le moment où vous ne voulez plus que ça vous traque. Si vous voulez maintenant vous dire, OK, voilà, fin du live, le live, en fait, il se termine devant les guillemets et qu'après, moi, je rentre chez moi quelques kilomètres plus loin, vous ne pourrez pas le voir. Si maintenant, je veux démarrer de là et dire, c'est maintenant qu'on commence le live, j'active le tracking ici, on attend 10 secondes le temps qu'il refresh le système, et le petit bonhomme se met à bouger. Je le redésactive, et une fois qu'il aura fini de faire sa petite balade, il devrait s'arrêter maintenant. Voilà. Donc ça, c'est le moyen, c'est une petite astuce pour ne pas avoir votre adresse qui va leak, même si votre téléphone envoie périodiquement vos coordonnées GPS. Eh bien, voilà. Enfin, nous y sommes. Nous avons donc vu pas mal de choses dans cette série de vidéos. Hein, on a vu comment installer Node-RED, comment setup Node-RED, comment setup TMI pour pouvoir faire un bot dans le chat Twitch. On a vu comment
parler à l'API de Touch pour avoir encore plus d'informations. On a vu comment faire une minimap, on a vu comment installer Node-RED sur un téléphone et utiliser Termux API pour pouvoir récupérer les coordonnées GPS de notre téléphone ou piloter notre téléphone à distance. On a également vu comment envoyer différents types de flux vidéo et les récupérer dans OBS, que ce soit des flux vidéo en RTMP, en SRT ou via OBS Ninja, qui ont différents niveaux de qualité et de facilité de paramétrage. Et comment faire une belle interface graphique qui nous permet d'avoir les informations de OBS grâce à OBS WebSocket qui permet de soit récupérer l'état du stream, soit piloter l'état du stream. Et avec ça, bah vous pouvez faire des live IRL, mais en fait vous pouvez faire absolument n'importe quoi. Vous avez le contrôle à 100% de votre chaîne Twitch. Et combien est-ce que tout cela nous a coûté? Une fois de plus, je le rappelle, cela nous a coûté 0 euro parce que là c'est que du software et ce ne sont que des logiciels qui sont gratuits. Est disponible sur internet avec une documentation qui est particulièrement bien fournie pour à peu près toutes les solutions que je vous ai proposées. Si malgré tout ça vous avez quand même des questions, eh bien n'hésitez pas à venir la poser sur mon Discord ou me contacter sur les différents réseaux sociaux, ou alors même venir en live poser la question hein, sur ma chaîne Twitch. Je stream au minimum 2 fois par semaine, normalement le mardi et le samedi, sauf si vous voyez cette vidéo quelques années dans le futur. Peut-être que j'arrêterai de streamer, peut-être que je streamerai plus, peut-être que je serai mort, qui sait. Mais donc actuellement, là maintenant, quand la vidéo sort pour le moment, mardi et samedi au minimum, et sinon vous me suivez sur Twitter pour avoir plus d'informations. Et c'est enfin, enfin terminé. Voilà. Bon courage, amusez-vous bien, à plus, à bientôt, abonnez-vous, mettez la cloche, et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, salut, et on dit au revoir le chat, il y a encore des gens, on est encore en live, hein, il y a encore du monde. Dites au revoir dans le chat, voilà, il n'y a personne qui va dire au revoir, ils vont tous mettre prêt F dans le chat. À plus.